Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter une calculatrice d'XP Fortnite. Alors le lien de ce site sera bien sûr en description. Alors je vous explique comment ça marche. Là par exemple, votre niveau, on va dire que c'est... attendez, je vais regarder sur Fortnite, je suis niveau combien? Je suis niveau 46, voilà. Imaginons que je veux atteindre le niveau 100 pour savoir combien d'XP il me faudrait. Alors, j'aurais besoin de 4 320 000 XP pour atteindre le niveau 100 à partir du niveau 46. Et vous aurez 7 570 XP au total. Donc, ce qui est bien, c'est que, par exemple, si je veux savoir combien d'XP il me faut du level 99 à level 100, ben là, il me dit, il me faut 80 000 XP. Et du level 100, par exemple, du level 100 au level 101, voyons voir. Il faut 50 000 XP, sérieux? Il faut moins d'XP? Non, sérieux? Ah ouais, faut... Ah, mais là, ça augmente progressivement. Regardez, là, ça augmente de 50 250. Donc, hop, 102 à 103. T'as vu? Chaque niveau, vous prenez 250 d'XP en plus supplémentaire pour grimper. Donc maintenant, si je veux savoir du niveau, par exemple, 200 à 201, combien d'XP il me faudrait? 75 000. Alors, du niveau 400 à 401, il me faudrait 171 000. Et attendez, du niveau 500 à 501, combien? Oh là là, c'est un truc de malade. Et franchement, c'est ouf. Hein. 258 000 XP pour passer d'un niveau 500 à 501, sachant que les niveaux 99 à 100, c'est 81 000 XP. Donc c'est presque 8, 16, 24. Ouais, c'est presque... Ouais, c'est plus de 3 fois le niveau... 99 à 100, voilà, c'est assez ouf. Mais c'est pas tout, parce que ce calculateur, il est vraiment insane. Attends, combien il faudrait d'XP du niveau? Parce qu'en fait, il faut, pour avoir tous les skins, hein, toutes les variantes de skins, il faut être palier niveau 240, ok? Imaginons qu'on démarre du palier 0. Il nous faut... Ah, ça ne marche pas. Du palier 1, voilà, du niveau 1. Il nous faut 17 millions d'XP. Ok. Ouais, et si je démarre du palier 100, il me faudrait... quoi? 9 millions. Quoi? Ouais, 9 millions. 9 millions d'XP, il me faudrait. Pour atteindre le niveau 240, pour avoir toutes les skins avec les variantes holo. Donc voilà. Alors, c'est pas tout parce que ce site est quand même assez incroyable. Par exemple, vous êtes au palier 100. Mais vous voulez débloquer tous les skins, toutes les variantes de skins, toutes les variantes de skins en holo. Et vous vous dites, putain, attends, combien de temps il reste à au pass de combat? Je regarde vite fait. Il reste, cette saison termine le 30 novembre. 30 novembre. Donc, c'est dans un mois et 20 jours, quoi. Donc, il vous faudrait... donc, il reste un mois et 20 jours, ça fait 50 jours. Il reste 50 jours. Donc, XP... Total gain, extra défi. Donc imaginons ça. Non, il faut que je mette XP gagné quotidiennement. Il me faut... J'ai 50 jours. Il me faut 9 millions d'XP. Donc on va mettre, bah, je sais pas moi, 100 000 XP. Hop, 100 000 XP par jour. Il me faudrait 94 jours. Quoi? 80? Non, 94 jours pour être palier... Putain, avec 100 000 XP? En comptant les défis, non, on compte pas les défis. Donc allez, on va dire 200. Il me faudrait 200 000... Voilà, il me faudrait 200 000 XP quotidiennement par jour pour atteindre les 240 niveaux. Putain, j'y arriverai moins. Moi, j'y arriverai jamais. Ça, c'est clair et net. J'y arriverai jamais. Mais voilà, vous voyez le site... La calculatrice d'XP Fortnite, franchement, elle est assez utile. Je me suis dit que j'allais vous la partager. On ne sait jamais que ça pourrait vous servir si jamais vous posez des questions. Mais 200 000 XP, ça fait quand même pas mal de games. Hein, ça. Je sais pas trop combien de games XP on gagne par game. Mais je sais pas si c'est
c'est facile à réaliser ou pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si 200 000 XP par jour quotidiennement c'est facile à réaliser ou c'est quand même 2, 3, 4, 5, 6 heures de game, sans compter qu'il y a les XP, hein, les extras, donc les défis, les cartes et tout ça. Donc une carte à remplir. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire combien de jours il faudrait, enfin, combien d'heures il faudrait pour avoir 200 000 XP quotidiennement sans les défis. Hein, sans les défis. Donc voilà. En tous les cas, j'espère que cette petite calculatrice d'XP Fortnite vous aura plu. Le lien sera en description. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.